Vedaker, c'est une méthode qui allie le corps et l'esprit. J'ai décidé d'allier vraiment aussi bien le travail avec le corps que le travail avec l'esprit de manière à les mettre beaucoup plus ensemble parce qu'on soigne très facilement la tête ou en tous les cas on s'y attelle. Mais en tous les cas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un grand manque de soins qui alliaient le corps et l'esprit. Or, les deux vont ensemble. Vedaker, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire le soin par la musique. C'est vraiment un soin qui s'apparente au soin médical. J'ai été formée à l'Université de médecine de Montpellier et de Nîmes en France. J'ai travaillé dans les CHU. Je suis spécialisée auprès des jeunes adultes traumatisés crânio-cérébraux pour le travail d'identité corporelle pour les personnes gravement handicapées ou qui ont eu des pertes de membres. Parce que la musique permet de justement travailler sur les espaces manquants. Et j'accompagne en fin de vie. Quand je ne suis pas avec ces deux types de patients, je suis tout simplement avec des gens comme vous et moi qui allons bien, mais qui souhaitons améliorer notre quotidien, justement par le corps et l'esprit. Donc la méthode Vedaker est une méthode de santé intégrative qui allie l'alimentation, le côté intégratif de la diététique intégrative, la respiration. Et donc avec le corps, l'aromathérapie, la respiration, la méditation bien sûr, l'écoute des fréquences ou des sons avec un concert, bol de quartz, bain de souris, de gong, etc. Et puis les mouvements, les postures, soit issus du yoga, mais sinon tout simplement adaptés à chacun pour que les soins soient personnalisés à chaque fois. J'accompagne des chefs d'entreprise et des sociétés, soit en incentive, donc des groupes où je vais directement dans les bureaux, pour soit créer du lien, soit travailler sur la communication à travers le non-verbal. Et souvent, j'initie la méditation dans les sociétés, et ça c'est juste extraordinaire parce qu'on a des résultats immédiats. Notre travail, c'est justement de vous guider, de vous accompagner, de vous conseiller avec tout ce qu'on apprend tous les jours, parce que c'est un travail qui ne s'arrête jamais, c'est ça qui est passionnant. Oui.